je m'appelle Sophia, j'ai 30 ans et je suis actuellement sportive de haut niveau en parachutiste dans la discipline du vol relatif féminin. Donc, il s'agit de faire des figures en sautant d'un avion, des figures à 4 personnes. Et puis j'ai un parcours un tout petit peu atypique parce qu'avant je faisais de la danse. J'ai beaucoup aimé, j'ai fait ça pendant plus de 10 ans et ça a été un vrai plaisir. À un moment donné, j'ai été fatiguée, j'ai décidé d'arrêter et je me suis dit, bon, j'en ai marre, en gros, j'en ai marre des filles. Des sports avec une ambiance pourrie et des jalousies dans tous les sens, je cherche un sport de garçon. C'est à ce moment-là que je suis tombée sur le parachutisme et l'ironie de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, je me retrouve en équipe de France féminine. On fait quel saut sur les planches? On s'entraîne à peu près 15 jours par mois. Donc on se réunit toutes dans un centre d'entraînement, plein d'endroits en France. Un saut c'est 50 secondes, donc c'est vraiment très rapide et on ne peut pas communiquer en l'air. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sort de l'avion, on ne peut pas se parler entre nous, on a des casques intégraux et puis il y a beaucoup trop de bruit en fait. On a des planches à roulettes qui nous permettent de vraiment se mettre dans la position de chute et puis de préparer les figures qu'on va réaliser pour qu'il n'y ait pas vraiment de surprise pendant le saut. Donc là, on est à la soufflerie, qui est un simulateur de chute libre. Donc pour nous, c'est un très bon outil. C'est vraiment très utile pour travailler toutes nos positions et toutes nos figures. On l'utilise vraiment beaucoup, surtout l'hiver. On reproduit au mieux et au plus près les sensations de la chute libre. Donc on peut travailler du très très gros volume. Comme ça, une fois qu'on est dans l'avion et qu'on fait des sauts de seulement 40 ou 50 secondes, bah on sait déjà où on va et on a déjà une certaine préparation. Donc là, on va s'équiper pour aller sauter en parachute. On utilise une combinaison de sauts avec des boudins qui sont sur les bras et sur les jambes. On en a besoin pour se tenir et pouvoir faire les figures pendant les sauts. Et puis, on a également des altimètres, un altimètre visuel pour voir l'altitude à laquelle on va sauter, où est-ce qu'on en est au moment de la chute. On a également un altimètre sonore qui est dans notre casque. Et on a un casque donc, avec une visière et un casque intégral. Ça, c'est important aussi parce qu'on peut parfois se donner des coups en l'air sans faire exprès, mais des coups de genoux, des coups de pied, des coups de bras parce qu'on va très vite et on vole très proche les unes des autres. Donc c'est important de se protéger le visage. Et le plus important, c'est donc le parachute. Donc ça ressemble à ça. C'est le sac qu'on va mettre sur le dos. On a notre parachute principal qui est ici en dessous. On a un parachute de secours en haut. Tu vas leur dire que c'est pas trop. C'est horrible. Fais gaffe à toi, Michou, quand même, en sortir. Une fois que tout ça est bien réglé, on monte dans l'avion et là on enchaîne 3 ou 4 sauts d'affilée. On fait dans la journée, on fait à peu près 12 sauts. Alors moi, j'ai plus les mêmes sensations qu'au début. Ça s'est pas du tout banalisé. J'ai plus de sensations de peur ou d'appréhension. Maintenant, c'est autre chose. C'est devenu le stress de la compétition, en fait, maintenant qui s'est remplacé. Et puis, ça laisse place aussi juste au plaisir. De la chute libre, c'est bizarrement, moi j'ai toujours dit que c'était très doux. On imagine quelque chose d'assez brutal, un peu violent, parce qu'on chute nous à 200 km/h, donc c'est quand même quelque chose de physique, ça reste de la chute, mais c'est une sensation très, très,
très enivrante et on a un sentiment de plénitude, de liberté assez fantastique. On est vraiment on est seul dans le ciel, une vision à 360, c'est des moments très particuliers. Addict à ce sport-là. Enfin, on n'est pas tous addicts, mais on peut le devenir très très facilement. C'est vraiment, ça fait partie des sports et des loisirs qui sont addictifs. Quand on touche du doigt les sensations de la chute libre, soit on aime, soit on n'aime pas, mais c'est souvent assez tranché. Dans l'engrenage, souvent on s'arrête pas. Si moi je devais m'arrêter aujourd'hui, je l'envisage pas. Arrêter la compétition, oui, ça arrivera un jour. Maintenant, arrêter le parachutisme complètement, je me vois pas m'arrêter un jour.